Amen. Amen. Donc cette année, so this year, j'ai décidé de faire la Pâque avec. I've decided to celebrate the Easter Amen. With you. Amen. Parce que les ministères n'ont pas une autre dimension. Because the ministry is reaching another dimension. Voilà. And it will be present. Cette année, that's why this year, je serai encore là pour. I'll be here en fin d'année, célébrer les choses. Till the end of the year. To celebrate the New Year. Amen. C'est intéressant de faire la It's really interesting to celebrate the Easter. Today we have decided to be Ça n'est pas dit que c'est notre ami d'église. In white clubs. Is Amen. That what means that no, Amen. It is our church. C'est juste des uniformes. Just some uniforms. Je ne vous ai pas dit ça habille, on doit porter maintenant pour venir à l'église. Non. I don't say that. C'est fait pour la part. Amen. The that you have to well, on a wear décidé une couleur, une nuance. We have decided Le blanc symbolise l'autorité. Word means. Alléluia. Petit, ça se fait pas. Correct. Pas comme ça, l'oreille des gens. Ça distrait. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. May God bless you. Alléluia. Je passe maintenant aux annonces. Merci parce que tout à l'heure, après juste la prédication, il a déjà prêché. Après mon passage, et nous aurons, n'est-ce pas, le service de Saint-Saint. The service. Et nous avons eu des baptisés. Hier. Had some the ties yesterday. Levez-vous. Alléluia. Je vous salue quand même. C'est la belle-mère de Pasteur Philippe. La belle-mère, la soeur fidèle à l'amour du pasteur. C'est intéressant. Écoute. C'est l'amant de Angèle. Yes, les gens ils se convertissent. C'est bien very, que les mamans se donnent à Dieu. Ouais, souvent parce que les mamans, elles sont soucis. Mais elles sont aussi chrétiennes. Ça va? Alléluia. Amen. Laissez avec des viandes. Give up. Oui, oui. Vous avez vu les vieilles, elles ne mangent plus, elles sont parties. On attend le Seigneur. Allez, bon, laissez bien. Allez, laissez bien de l'homme. Il y a poulet, il y a. Je suis allé derrière me balader. Il dit, viens, bonne, viens. C'est pour l'homme là où il mange. C'est quoi? Vous êtes possédé. Don't be possessed. Ouais, ça c'est le président des jeunes. Que Dieu bénisse. Président de la people. Voilà. Amen. 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 C'est le plus jeune, la. Comment? The younger of this group. 17 ans. 17. Tu avais dit 18 ans? Elle avait 17 ans. 17 okay. years old. Tu marches, t'as déjà baptisé. Those c'est chacun d'entre nous qui sera devant le tribunal. All of us de Dieu. Et tu réponds exact. Tu vas répondre. Your actions. C'est pour ça que quelqu'un qui ne peut pas décider, on ne peut pas le baptiser. Je ne le baptise pas bébé. Non. Bébé va baptiser. Pourquoi baptiser un bébé? Here we do not et laquelle pouvoir de décision child. Pourquoi mettez les gens dans les problèmes? Regardez Jésus-Christ, est-ce qu'il a baptisé un bébé? Jesus Christ. Attends, les gens vont dire on doit faire comme leur religion. Oh, la religion, elle est terrible. Elle, on peut pas. La religion n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme est sur le chemin du Christ. Montrez-moi the way of dans la Bible. Vous allez me dire non, Jésus a été baptisé. Non, Jésus a été présenté au temple. Jesus has been presented. Autant de Jésus n'avait pas de baptême qu'on le fait par immersion. Non. Il a été présenté au. Ne fais pas quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je suis converti, je suis allé étudier la Bible. When I was converted, on va baptiser un bébé. Vous voulez créer des problèmes? That you're creating problems. Baptême, c'est un engagement. Jésus a eu l'âge en Israël, c'était 30 ans. Was 30 years. Tout est très bien l'histoire. Où vous rentrez dans la vie de Dieu comme ça? Parce que mon papa était dedans, ma maman était dedans. Mais c'est dangereux. Don't be. Mais faut connaître. You need to know first. Ça l'âge de 30 ans. When Jesus was 30 years. Jésus s'est fait le baptême et or, chez les Juifs, l'âge de 30 ans, c'est l'âge de maturité. Is the one of maturity. Faut jouer la parole de Dieu. Why don't you? On dit n'ajouter ni rajouter. Faut pas retrancher. Words. C'est pour ça qu'ici nous sommes une église Pentecôte. C'est l'église Pentecôte authentique internationale. International. Maintenant, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la compassion des âmes. Et le ministère de l'Église. Mais à son sein, but in this ministry, il y a une église. There is a et cette église, c'est une église pentecôtiste. This church is a Pentecôte. Pentecôte. Church.
C'est l'église Pentecôte. It is a l'église Pentecôte internationale. International. Et authentique internationale. Amen. Voilà, il faut que les gens retiennent ça. People need to keep. Donc c'est l'âge, la maturité. So it is major maturity. Que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. That's Jesus has been baptized. Amen. On m'a bien compris. Et nous faisons le baptême par immersion. Then we baptize people with the immersion. Tout ça c'est symbolique. This is a symbol. Mourir, die, ressusciter. Amen. And born again. Amen. C'est des symboles très forts. Strong symbols. Les gens ils sont issus comme ça. On ne suit pas Dieu comme ça. You don't follow God this way. Il faut savoir ce qu'on fait. You need to know what people are doing. On. Ah oui. C'est pas mauvais de demander. It's not bad to ask. Pourquoi c'est comme ça? Why is it this way? L'église est faite pour demander. Il faut the demander. Church is for asking. Quand tu ne sais pas quelque chose, demande, on va t'informer. Donc le baptême, nous sommes une église évangélique. We are evangelic church. Et pentecôtiste, protestant évangélique, pentecôtiste. And evangelic. Il dit, baptiser. Allez prêcher la parole de Dieu. Go and baptize them. Et après, baptisez-les et enseignez-les. Preach God's word, baptize them. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. This is what we are doing. Nous avons prêché la parole de Dieu. God's word. C'est bien, on les a gagnés à Zaroko, hein. La vieille, là, c'est l'église des Zaroko, vous voyez là. On acclame le Seigneur. La vieille, dans un grand pain. Amen. Amen, la vieille. Amen. Voilà, voici nos fidèles, ouais. Nous, on a gagné les vieilles. Mais on gagne les jeunes, on gagne les vieilles. C'est le fruit du ministère. Donc, c'est la vague. On a baptisé beaucoup de gens, mais c'est une vague de gens. Qui vont te baptiser, qui sont baptisés hier. Donc ici on gagne des âmes, notre ministère évangélique, nous gagnons des âmes. We get souls. Et nous faisons deux disciples de Jésus. So that we can et ça c'est très important. Il y a ce que Jésus dit, Lord, ça veut dire aller prêcher. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire des nations des disciples. Quelqu'un qui devient disciple, il faut enseigner. But they must be taught. Amen. Amen. C'est ce qu'on essaie de faire. On a une église à Zaroko. We're trying to do. We have a church in Zaroko. On a une église ici à Divo. And the church here in Divo. Et nous allons maintenant une église partout. And now we're going to build churches everywhere. Bientôt, vous allez attendre plein de choses. On est obligé de mettre des églises. On est obligé. C'est une obligation. Maintenant, ça se pose. C'est pour ça que celui qui a son appel, qui sent que Dieu l'a appelé, on va tester ça. So that we can test it. On va t'envoyer à Fraya. And then bring you somewhere. On va voir, si je t'appelle, on va voir, on va voir. On va prêcher l'évangile là-bas, mon frère. To preach the gospel. Parce qu'on a aussi une église là-bas. Mon frère, ça va? On a aussi des fidèles là-bas, c'est pas ça? We have some pilgrims. On a aussi des fidèles de Flaya, tout ça. On a des gens là-bas qui ont besoin. On va vous suivre, hein? On ne vous laissera pas tomber. We'll let you there. On pense à ça. On pense comment vous suivre. About it. Et j'ai été vraiment touché après la croisade de Flaya. On a cassé les choses. Ils ont renoncé à un fétichisme. Il n'y a pas d'église. Frère, no ça fait mal. Donc, it's Dieu so m'a mis à cœur. On viendra là-bas. On va mettre quelque chose. On amènera quelqu'un dessus. Parce que power, il faut que votre vie, your life maintenant, now, soit must be une vie de prospérité. Prosperity life. Et pour que ta vie prospère, but before that, il faut qu'on t'enseigne. Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. Il marche selon sa parole. But according to his word. Sinon, on n'a pas enseigné. If you didn't tu allais boire pour tout goût, tu pensais que tu as des bénis. Comme le prophète est venu la délivrer et tu bois balai. It is very comfortable. Mon frère, jamais tu vas te bénir. Never God will bless. Amen. Donc il faut qu'on vous encadre, pour qu'on arrive à vous suivre. Et ça c'est très important. This is important. Voilà, que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est un engagement. It is a covenant. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. It's not. This does not mean that. Vous serez sauvé. You will be saved. Si vous marchez selon la parole. If you work according to Jesus. Le baptême ne sauve pas. To be non. It's not to be saved. It is a covenant. Ah, vous parlez de la sauvé. Il me baptisé, il allait voler, faire fétiche. Going to be baptized. Jamais. To go and steal. Je baptisé. You're baptized. Tu marches selon la parole de Dieu. To work according to God's word. Sinon, tu ne le fais pas. If you don't go, j'ai fini de disqualifier. Le règne des cieux, ça appartient pas à n'importe qui. Ça appartient à ceux qui marchent selon la parole de Dieu. To those who work according to God's word. Dieu bénit les gens qui sont très sérieux. Bless people who are serious. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Did it help me? C'est maintenant la chose va commencer. Now things have to start. Parce que le diable va vous éprouver. Because
the devil will test you. Quand Jésus a été baptisé, when Jesus has been baptized, il a été conduit dans le désert. He was brought in the desert. Vous savez ce qu'on appelle désert, ce sont des épreuves. You know what is desert? Mais ce qui est bon, so what c'est que dans le désert, Jésus est resté dans la prière. Jesus stayed in prayer. Dans une vie de prière. In prayer. Il a gêné. Il est en prière. Parce qu'il va vous éprouver. Maintenant les attaques vont commencer. Ceux qui n'étaient pas allés faire. The attacks have been now. Maintenant la vie chrétienne va commencer. Now the Christian life. Bonne chance à vous. Good luck to all of you. Amen. Depuis que le premier jour vous avez accepté Jésus, vous êtes chrétien. Maintenant vous venez passer une autre étape. You love Jesus. You are Christian. Now you are reaching another step. Dieu est là. Et puis Dieu est à toi. Au revoir. Je ne suis plus chez toi. Au revoir. No more with you. Lui il est là. Il est là. Au revoir. Because I've now chosen Jesus. Tu dis oui. Je te connais. I know you. Tu es un buveur de balai. Moi, c'est mon côté au petit coin. Donc, celui que toi, tes camarades bizarres qui avaient l'habitude de venir, à un moment un peu, ils ont la tentation. Amen. Tempted, mais il faut résister. But you need to resist. Pour ne pas décevoir le Seigneur. Don't deceive the Lord. Si vous le décevez, if you deceive him, il va vous lâcher. Release. Et si vous lâchez, c'est fini. If you release you, ils vont vous mettre dans une sorte de tomate avec un checker à Boudjama où vous mangez. Croquez vos os. Parce que non, le Seigneur est obligé. Pourquoi il ne me bénit pas? Parce qu'il ne peut pas te bénir. Parce que tu vis dans le désordre. You because you're living in this world. Non, j'allais faire ma délivrance. Mais après la délivrance, ma vie, tu es dans la cigarette, dans la drogue, tu ne marches pas selon Dieu, mais dégage. According to God. Soyez bénis. Live blessed. Allez vous asseoir. Go and sit. On acclame le Seigneur.